Un bon secteur de communication dans une entreprise peut rendre de vrais services à la communauté. Plus les gens seront informés sur les transformations ou les grandes décisions prises par les compagnies, le plus ils seront en mesure de se faire une opinion. Et ça, laissez-moi vous dire qu'en communication, la chose la plus importante à respecter, c'est l'opinion du peuple. Bullshit! C'est de la bullshit, ce que vous dites là. Est-ce que je peux savoir votre nom, monsieur? Steve Richard. Puis ce que vous racontez là, c'est du beau fumier. Les grosses compagnies, ils s'en sacent-tu de l'opinion du peuple? Ils vous achètent, vous autres, les journalistes, vous graissent bien épais, puis après, ils vous demandent d'écrire des beaux papiers pour endormir le monde. Puis vous autres, gang de tortues, vous embarquez là-dedans. C'est ça que vous appelez respecter l'opinion du peuple? Hey, Madame Hébert, allez raconter ça à d'autres qu'à moi. Chez nous, à Montréal, quand ils ont fermé l'usine de chocolat puis qu'ils ont mis 2400 personnes dehors, hein, des bons pères, des bonnes mères de famille qui se sont retrouvés du jour au lendemain le cul à terre devant rien. Qu'est-ce que vous pensez que les journaux ont fait? Raconter la vérité? Informer le peuple pour qu'il puisse se faire une opinion? Non, madame. Tout ça, c'est de la bullshit. Moi, je vous le dis, de la vraie bullshit! Lucien, c'est quoi ce message-là que tu m'as envoyé à l'université? Linda, j'ai été nommé chef de pupitre. Oh, ben, Lucien, mais c'est extraordinaire, ça! C'est extraordinaire! Puis je voulais te remercier parce que quand t'es venu me chercher au métro, tu m'as dit tu le regretteras pas. Puis? Je le regrette pas. On a un petit party au Lutin à soir, fait que je voulais t'inviter toute la gang. On commence tout de suite après la première édition. Oh, Lutin! Vous allez encore, là? Mais non, Lucien, je peux pas venir. Écoute, je pars demain pour Genève, puis j'ai pas une valise de fête. Mais non, faire un petit tour avant de tourner t'ennuyer avec tes Suisses. Linda Hébert. Monsieur Trépanier. Excuse-moi, Chantal. Le cours finissait plus. Écoute, Martine, on a un après-midi de libre dans le mois, puis il faut que tu sois en retard. Engueule-moi pas. Je m'excuse. C'est passé. Pourquoi t'es toujours de mauvaise humeur? Je suis pas de mauvaise humeur. Je suis juste tanné. Je perds mon été à écouter des intellectuels à la noix comme Linda Hébert. Au moins, on l'avait repu au hockey. Steve, c'est pour toi que t'étudies, pas pour les autres. Tu seras pas gardien de but toute ta vie. Y a pas de honte à jouer au hockey. Tu finis de chialer? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je te disais donc que Joan Faulkner a vendu le matin. La nouvelle devait rester secrète jusqu'à la signature du contrat, mais maintenant que c'est fait, je peux donc briser le pacte et publier. Oh ben pour une nouvelle, c'est toute une nouvelle, ça. Tu dois bien me voir venir avec mes gros sabots. Depuis que nous savons, nous rêvons de te faire une offre. À vrai dire, tout de toi nous manque. Ta plume, ta signature, tes articles. Et même ton mauvais caractère. En fait, nous avons besoin de toi pour relancer la section des sports. J'allais te téléphoner, mais pour ne pas te mentir, je savais que tu viendrais aujourd'hui. Lucien Boivin m'avait prévenu. Sacré monsieur Trépanier. Toujours aussi rusé. Michel. Appelle-moi Michel. Oui, bon, Michel. Mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. Frédéric, toutes ses affaires sont en Suisse. Puis cette vie partagée entre Genève puis Québec, ça lui convient parfaitement. Et toi, Linda? Qu'est-ce qui te convient parfaitement? Donne-nous une saison de hockey et tu seras nommée éditorialiste en chef en juillet prochain. Michel? J'étais directrice de l'information avant. L'auriez-vous oublié? Non, 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 je n'oublie pas. Mais dis-moi, Linda, es-tu heureuse? Es-tu heureuse de ce que tu es devenue? Savez-vous combien je gagne comme vice-présidente chez Davilios? Tu ne réponds pas à ma question. C'est pourquoi Davilios est si fière de s'impliquer dans la production de cette pièce de théâtre, M. Frédéric Tanner a conclu
que c'était là la preuve que le théâtre francophone pouvait faire une place à la relève. Nathalie, faites parvenir ce communiqué à toutes les chaînes de télévision, à tous les postes de radio et à tous les journaux. Merci. Autre chose, Nathalie? Il est 16h45 et vous avez rendez-vous dans une heure. Vous devez inaugurer le centre communautaire des scouts de Saint-Julien-en-Genevois. Madame le maire sera présente, ainsi que le député du canton. C'est vrai. J'avais complètement oublié. Merci, Nathalie. Des scouts. Comme dit mon mari, il a vu d'une femme de politicien très excitante. Il dit qu'elle doit savoir l'appuyer, aussi savoir le comprendre. Mon mari croit qu'une femme de politicien a autant d'importance que l'heureux élu. Ça vous arrive des fois de penser, ou si vous laissez ça à votre mari? Une vice-présidente en communication, on a déjà vu plus civilisée. Mon mari pense d'ailleurs qu'elle aurait dû demeurer journaliste au Canada. Depuis qu'on est rentré de Québec, j'ai l'impression que tu t'intéresses pas vraiment à ce que tu fais. Ouais, tu sais pas, c'est tes journées à couper des rubans, toi. Oh, ton travail vaut mieux que ça, quand même. J'ai pas été journaliste pendant 16 ans pour finir coupeuse de rubans officiels, ça c'est pas vrai. Écoute, on travaille ensemble, on vit ensemble. T'es pas heureux? Veux-tu la vérité, Frédéric? Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai tout de suite aimé. Parce que je savais qu'avec toi, j'aurais toujours la vérité. Je m'emmerde. J'ai tellement envie d'écrire, là. J'ai envie de me battre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vivre, merde! Tu penses pas qu'on aurait pas besoin d'un changement, non? Même d'être heureuse avec toi. Promotion. Vos commentaires? Pas un niaisage le matin. Nostalgique, mon Lulu. Ah non, j'ai oublié de rappeler le gars de vacances. C'est mon erreur, faut que je le remplace. Des responsabilités, moi. Bien sûr. Salut, Lucas. Non, le matin, c'est dormi du monde, là. Bon, qui c'est qui me ferait un bon papier le matin? Hein? C'est mon nom, toi? Monsieur Trépanier, un appel outre-mer. Madame Linda Hébert. Michel, juste une saison. Équipage, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du vol Swissair 139. La durée du vol vers Montréal est de 6h40. Nous vous souhaitons un agréable vol. Michel, prenons un 2. Ah, j'ai pas le temps de... Bon, ça, c'est parfait. Oh, écoute, on va être un peu plus.
C'est vrai, je vais vous dire comment le prendre. 26. Deux ans de l'autre côté du miroir. Les actualités au grand complet dans une dizaine de minutes avec les manchettes sportives et la météo. Dans les journaux ce matin, Le Matin titre à la une, le retour de Linda Hébert. Bon, qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu? Ben, t'as fini le bon temps. J'avais oublié certains côtés déprimants de la profession. Je sais pas pourquoi, Linda, mais je suis quasiment content de te voir. Je sais pas quoi, de ce qui se passe, on va te mettre au parfum. Quoi de parfum? Hein? C'est encore européenne, hein? On s'est arrangé pour faire passer ça. Richard Laverge, c'est assez! Compris? L'intellectuel masqué. Qui, ça? Ben, vos moumans vous ont laissé prendre l'avion, tout ça? Eh, c'est une grosse nouvelle, ça. Peut-être que tu t'en viens à Boston. Oh, mon Dieu. Perspicace à part ça, la berge. T'as toujours pas appris à lire depuis le temps. C'était la une du matin. Le retour de Linda Hébert. C'était peut-être pas écrit assez gros, hein? Oublie ça, t'auras jamais le dernier mot avec elle. Dormez bien, les petits garçons. Parce que demain, vous avez rendez-vous avec des vrais hommes. N'oubliez pas ça. Bonjour, Mme Hébert. Vous vous souvenez de moi? Ah ouais. Je peux m'asseoir? C'est quand même plus poli que la première fois. C'est vrai que je me suis un peu emporté pendant votre conférence, mais... Je pense pas qu'on puisse rester poli quand on est en désaccord. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Vous m'en voulez toujours? Moi, j'ai bien des défauts, mais j'ai une grande qualité. J'oublie vite les choses sans importance. Mais tu peux me tutoyer, tu sais. Pas si vieille que ça. Alors, comme ça, les études, c'est fini. Maintenant que tu joues avec le National. Non, non, les études, c'est pendant l'été. Et le hockey, c'est... C'est ma grande passion, ma grande chance. Ce qui est certain, c'est que je moisirai pas dans une usine comme mon père l'a fait. Alors, moi, ce que je veux, c'est la belle vie. Les poupounes, le moton et les gros chars. Hein? Ben édifiant, ça. Ben nouveau. Quand on sort du char, on crache pas là-dessus. On crache même pas ses hot-dogs quand on a faim et qu'on a rien mangé de la journée. J'ai dû entendre ça au moins une bonne centaine de fois dans ma vie. C'est drôle, hein? Je te pensais plus original que ça. Je m'en sac d'être original. Mais tout ce que je veux, c'est une chance de montrer au monde ce que j'ai dans le ventre et que jamais je reculerai. Ben pour ça, t'as bien raison. Jamais reculer, à moins que ce soit pour sauter plus loin. Bonne partie, mon Steve. Pense plus à ta punition. Sans toi, on aurait perdu 10 à 3. C'était 3-3, le score, hein, quand ils ont compté sur ta punition. Est-ce que c'est le manque d'expérience qui t'a fait donner un coup de bâton, gars de Boston? Pima, es-tu content du jeune Richard? Ouais, je suis content. Le jeune a du talent. Prendre une punition stupide comme il a fait à soi, c'est se penser plus important que l'équipe. Pourquoi, y a-t-il un problème d'attitude? Il n'y en aura pas si tu le laisses tranquille, Melda. Ça va nous poser tes questions à Templeton. C'est lui le coach.
bien ça, merci. Brillant, ton coup de bâton avec 3 minutes à jouer. Comment t'expliques ça, toi, quand t'as laissé pourrir pendant 2 saisons dans la Ligue américaine? C'est bien facile à comprendre. Quand t'arrives dans la Ligue nationale, t'as 3 solutions. Ou bien t'es un beau petit monsieur propre, bien rasé. Ou bien t'es un gros hypocrite comme la berge. J'ai choisi la 3e. La franchise. Ça coûte cher de dire ce qu'on pense. M'en fous, j'ai personne à faire vivre. Dis donc, j'aurais des choses à clarifier avec toi. On pourrait peut-être se rencontrer, prendre un verre puis en parler. L'autobus pour Hartford est juste à midi demain. J'ai pas eu le goût de jaser. Ben, je te mangerai pas. Mais... Non, juste qu'on parle d'université, du camp d'entraînement. À part ça, c'est même pas sûr que j'écrive quelque chose sur toi. Où? Au B&B's. C'est à 5 minutes de l'hôtel, en voiture. Ici, hein? Je m'attendais à quelque chose de, je sais pas moi, de plus animé. Tu sais, à mon âge, les endroits animés... Ton âge? Qu'est-ce qu'il y a, ton âge? T'es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Es-tu toujours aussi charmeur avec les femmes? Ça, c'est à toi de le découvrir. Excuse-moi une seconde, j'ai un coup de fil à venir. J'ai même téléphoné à Riverain, ton entraîneur. Riverain? Quand je suis une affaire, Steve, je vais jusqu'au bout. C'est bon à savoir. Ça, qu'est-ce qu'il t'a raconté sur moi? Que t'étais trop fort pour rester dans la Ligue américaine. Que t'as failli lui faire faire une dépression nerveuse. Il m'a raconté quelque chose de bizarre. Que t'as couvert de ridicule le plus gros avocat de la place. En couchant avec sa femme. C'est vrai, ça? Je dis que les gens y interprètent mal. Moi, j'ai voulu y rendre service. Il n'y avait pas le temps de s'occuper d'elle. Et puis, selon Riverain toujours, les filles auraient joué un grand rôle dans ta vie à Chicoutimi. Coudon, c'est un reportage sur ma vie sentimentale que tu fais. Moi, je suis un gars bien normal. Je réagis quand je vois une belle femme. Tu viendras pas me dire qu'un homme peut rester complètement insensible quand il te voit pour la première fois. Parlant de réagir, je peux-tu t'inviter à danser? À moins que ça aussi, ce soit plus de ton âge. J'aurais un autre coup de fil à donner. On peut sûrement entendre.
On oublie ça pour l'autre jour, là. Ce soir, on va s'occuper des Whalers à la place. Y a pas de problème. Là, mais c'est qui arrive avec Steve Richard? Bonjour. En forme, ce matin? Moi? J'ai déjà passé des nuits blanches. J'en doute pas. Steve, pas un mot sur ce qui s'est passé hier soir. Tu m'entends? Pas un mot. Je te rejoins tantôt. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est une excellente idée. Linda t'appelle à 7h30 pour me dire que t'enverras pas ton texte. Qu'est-ce que je vais mettre en place, moi? Ton ordinateur marche pas. Dis que ton texte à un des gars, on va t'attendre, si gros. Quoi le problème? Comment tu peux pas? T'as un problème avec le texte de Linda? Si j'avais la grande, pas capable d'envoyer son texte, ou? Jamais, jamais. À Moscou, à Sarajevo, jamais la grande a manqué son dernier. Grande Linda Hébert, elle aura pas de papier dans le journal demain, pas capable de l'envoyer de Hartford. Si je vais mettre en place, moi. Pas ce point-là. Coudon, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, ben si Steve Richard continue à garder les vues comme ça. Linda. Linda. Mm-hmm. As-tu vu le BDT? Oui, oui. Linda. T'es quasiment là, toi, ce soir. C'est juste ta tête que t'as oublié à Québec. Ça fait de mériter la première étoile du match. J'espère qu'il va en avoir bien d'autres. Si on me donne la chance. On va faire passer le message, mon Steve. Si vous en pensez, vous, Mme Hébert? Il est pas lié, notre petit garçon. Moi, je pense que c'est pas une seule partie qui va nous dire ce que tu veux. Tu sais, des fois, ça se termine aussi vite que ça a commencé. Ouais, c'est vrai, ça. C'est la prochaine fois qui est importante. Pensez être capable de prendre la place à Asselin? En ce moment, il y a juste une place où j'aimerais être. T'aimerais ça être le premier? J'aimerais ça être dans mon lit. Avec tout le monde. Je voudrais voir ça. T'as-tu le temps d'aller prendre un verre? Oui. Ça pourrait peut-être me faire du bien. J'appelle la gardienne. Tu penses me prendre? OK. Bye. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui t'arrive, mais t'es pas normal. Je veux dire, t'es plus comme t'étais. Ton appartement ressemble à un vrai bordel. Tu m'appelles plus. Tu viens plus me chercher après mes cours à l'université. Excuse-moi, Martine, mais... je suis pas capable. Pas capable? T'es devenu abstinent. Impuissant. Arrête de rire de moi, veux-tu? Je reviendrai quand tu seras sorti des limbes. Peut-être des slips de flanalette puis une jaquette. Mmh. 22 ans. Et 22 ans. Mais je comprends, là, pourquoi la nouvelle coiffure puis les vêtements, olé, olé. Deux cognacs, s'il vous plaît. C'est tellement pas toi, ça. Je m'excuse, Linda, là, mais je comprends pas comment ça a pu arriver. Toi qui es si raisonnable, si disciplinée. Ouf. Remarque, t'es pas la première à qui ça arrive, hein? Ça doit être juste une passe, comme ça, là. Une passe? Mais je l'ai dans le pot, ce gars-là, Jojo. Je mange plus, je dors plus, je pense plus, j'écris plus. Hey, j'ai plus 37 ans, on dirait que j'en ai 22. Mais Frédéric, là-dedans, puis ta job en Suisse. Mais c'est pas de mes affaires, là. Mais moi, j'ai peur que tu te fasses mal. Tu sais comment ça finit, ces histoires-là? Oui. Mais je m'en fous. Si tu savais comme je suis bien, Jojo. Je sens son odeur dans mon cou, là. Et je tourne folle. Puis sa peau. Oh. Douce. Comme celle d'un bébé. Mais je comprends, il y a juste 22 ans. C'est un trip de cul que tu fais. Ah non, Jojo. Pas un trip de cul. C'est de la passion. C'est pas pareil, ça. Quand il me regarde avec ses grands yeux bleus, puis qu'il me dit « Je t'aime ». Ah, ok. C'est qui le prince charmant? Est-ce que je le connais? Non, je pense pas. Je te dirai ça quand je soignerai ma peine d'amour. Je l'ai vu avec ce petit ami. Il n'a pas un petit ami en plus. Oh! Coudon, Linda. Madame Hébert est partie. Je suis la femme de ménage. La madame est partie. Partie, OK? Partie. J'ai peur, Steve. C'est fou, hein? J'ai peur parce que je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai du mal à me l'expliquer. Non, mais tu te rends compte? Quand tu vas voir l'âge que j'ai maintenant, moi, j'aurai 50 ans. Oh, pourquoi je suis revenue? Pourquoi je t'ai rencontrée? J'étais pourtant pas si... Oui, j'étais malheureuse.
C'était pas la faute de Frédéric. J'avais qu'une seule passion dans ma vie. Mon métier. Le reste, c'était pas important. Regarde-moi aujourd'hui. Amoureuse comme c'est pas permis d'un gars de 22 ans. Linda, je sais que tu penses que nous deux, c'est pas possible. C'est complètement fou, complètement débile. Qu'il n'y a pas de chance que ça marche. Mais moi aussi, j'ai peur, Linda. Pas patiner, Steve. Il est jamais trop tard pour apprendre, hein? La blonde, il faut qu'elle soit la number one du patin. Allez, madame la mère, un petit pas en avant. Steve, ça va trop vite, là. Attends, encore rien. Bon, mais il faut que j'y aille si je veux pas être en retard pour ma pratique. C'est à soir la première game de l'année. Faut qu'on se parle, Steve. Ma pratique. Jure-moi que tu diras rien à personne. Pourquoi? T'as-tu honte de moi? Je suis pas assez bien, c'est ça? Je suis pas assez intellectuel? Hein? Tu seras pas là. J'avais oublié mon pull la semaine passée. Il fait frais dehors. J'en ai qu'un chaud comme ça. Vous êtes madame? Ah non, je suis juste une amie. D'ailleurs, j'allais partir. Je pensais que vous étiez sa mère. Les gars, tout ce que je sais, c'est que c'est le premier match de la saison, puis c'est lui qui fait la différence. Mais non, t'as encore changé de coiffure, là? Es-tu dans ta ménopause?
que ça se prend une décision, hein? Déçu de quoi être le gardien de but partant? Oui, mais je suis content de ne pas avoir été dans les buts à soir. C'est un compliment pour Steve Richard, ça. Mais écoute, il y a une tête ses épaules, hein? Tu le vois pas sortir puis boire après une victoire. En tout cas, c'était le même pendant les matchs hors concours. Puis, je suis sûr que sa blonde s'occupe bien de lui. J'ai changé pour Dave Rochette, t'es sûr de ça? OK, merci, mon vieux. Je te voudrais ça. Oh, c'est bon, ça. C'est bien bon, ça. Tu sais, Steve, pour la berge, là, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose. Il y avait comme un os quelque part. Normalement, j'aurais pas lâché. Oui, il va être échangé. J'ai entendu Templeton en parler avec Marcogne. Contre Dave Rochette de Saint-Louis. Ah ouais? Linda, écoute-moi bien. J'ai pas envie que ça se retrouve dans le journal demain matin. T'as compris? Je ne sais pas où est Linda. D'accord. Je lui ferai part de votre inquiétude. Bonsoir. Frédéric, mais t'es rentré quand? J'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Pourquoi tu m'as pas laissé de message? Je t'en ai laissé plusieurs. J'ai pas eu le temps de les prendre. T'excuses pas. Tu recommences un travail difficile, il faut que tu t'y remettes. Et puis l'essentiel, c'est que tu sois là. Cette maison, sans toi, c'est un désert. Bien dormi? Ouais. J'ai des bons croissants tout chauds. Tiens, un pour toi et un pour moi. Je sais, je l'ai vu. Mais c'est pas signé. Mais qui c'est qui ouvre l'enquête à ton journal? Steve, c'est pas moi. Je te le dis, là, c'est pas moi. Laisse faire. Sauf que la prochaine fois, tu peux être sûr que je vais me fermer à gueule. Bon, dépêchons-nous, là, si on veut pas être en retard. Le bus pour Montréal, t'as 9h30. Steve, on peut pas arriver ensemble au Colisée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à cacher? Mais tu comprends rien. Est-ce que tu réalises qui je suis? Au Colisée, là, je suis plus ta blonde. Je suis la journaliste qui couvre le hockey. Ce sera un scandale de faire ça. Mais moi, je suis prêt à arriver avec toi au Colisée. Oui, mais pas moi. Veux-tu briser ta carrière? Tu vas me dire que tu penses pas à tienne? Steve, le jour où tout le monde va le savoir, ce sera plus jamais pareil. Même entre nous. Je veux plus me battre. OK, Linda. Je vais avec toi.
Il n'y a personne au matin qui a pris le crédit du scoop de la berge. Ça serait-tu que tu veux protéger tes sources, Linda? Drouin, de quoi je me mêle? C'est loin d'être le meilleur article que tu as écrit. Drouin, quand tu sauras écrire, tu sais, écrire là, tu pourras passer des commentaires, OK? Écoute bien, Pitoune, c'est pas mon problème si t'as de la misère et ton second début, tiens. J'aime pas ça ici, je trouve ça pesé. On dirait que t'as une barre dans le dos. C'est très drôle. Oh, écoute, c'est juste un restaurant, c'est pas un musée. Tu es tout ça dans le genre d'endroit? Ah oui, avec Frédéric, quand on descend à Montréal, on vient toujours ici. Faut que je t'aime, toi. On a une gang demain. Il devrait être dans sa chambre, non? C'est un rookie, pas en plus, il goal. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu veux prouver? Steve Richard couche avec Linda Hébert. J'ai le numéro de chambre de Linda Hébert. Moi, je suis certain qu'il est là. Oh, tu dis trop de romans, toi, là. Ça m'intéresse pas, ces affaires-là. C'est sa vie privée. Coudonc, sacrement, réveillez-vous. Il couche avec la journaliste du matin, c'est pas de nos affaires, ça. Nos meetings, nos plans, elle va tout savoir, elle, là. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Tout ce qui nous manque, c'est une preuve. Dans le journal, là. On n'aura pas besoin de chercher bien longtemps pour savoir d'où ça vient. C'était cœur, hein? Qu'est-ce qui était cœur, hein? Que tu baises avec Linda Hébert. On t'a vu hier soir. Linda Hébert couche avec Steve Richard. Hein? Es-tu là ce que t'avances? Personne ne se méfie d'un soigneur. Ils ont vu Steve sortir de la chambre de Linda. Steve et Richard couchent avec Linda Hébert. Sacrement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est leur vie privée. Elle doit être en dépression, vrai? Elle a au moins 15 ans de plus que lui. Puis toi? Quoi, moi? Suzy puis moi, c'est pas pareil. Bon, ça, c'est normal que l'homme soit plus vieux. De toute façon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un journaliste, c'est la pire au Québec. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le vestiaire, tout le monde veut le savoir. On pourrait toujours échanger Richard, ça réglerait le problème. Échanger Richard? Aurais-tu échangé Ken Dryden à 22 ans? Non. Non, non. Le problème, c'est elle. Va falloir qu'elle se mette dans la tête qu'elle peut pas jouer à main avec un de mes joueurs. Voyons donc. Templeton a retiré Steve Richard du jeu après le premier but de Montréal. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas parce qu'il est blessé qu'il l'a enlevé. Il paraît que toi puis lui, vous êtes bien chat. Bien, bien chat. Simon, des questions intelligentes, t'as jamais su poser ça, toi, hein? Ça commence à jaser pas mal, Linda. Fais attention. T'as changé Charon en deuxième période? Il s'est blessé en frappant l'armure. Pourquoi t'as changé ton gardien de but en première période? Je réponds pas à cette question. C'est vrai, le jeune Richard avait rien à se reprocher sur ce but-là. Pourquoi tu l'as changé? J'ai des raisons personnelles. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi.
une autre question? Après ce que Templeton me fait, je te trouve pas mal culotté. Je peux-tu rentrer, là? Bon, là, écoute, Linda, on va se parler. Demande? J'ai pas de temps à perdre. Là, tu vas oublier le gérant général, la journaliste. Tu vas oublier qu'on a baisé il y a 10 ans. Inquiète-toi pas, y a rien à se souvenir de ça. Ah ouais, Gagnon, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Steve Richard, puis toi. T'as encore trouvé le moyen de nous mettre dans le trouble, tu sais, ça? T'écoutes encore ça, toi, mes commérages de vestiaire. Que t'aies un kick sur le jeune, qu'il y en ait un sur toi, je suis capable de comprendre ça. Mais là, il va falloir que ça finisse. Il a 22 ans, il commence sa carrière, toi, t'en as 35! 37. 37 ans, Marc. Ben, c'est ça, c'est encore pire! Je te pensais plus intelligente que ça, Linda. Tu réalises pas que t'es journaliste, que tu passes tes journées dans le vestiaire du National, que tous les joueurs vont penser que Steve te compte tout ce qui se passe? Ça va faire de la merde, Linda! Y a personne qui a besoin de ça! Hey! Ça, c'est de mes affaires, OK? De mes affaires! Linda est bien tout plus smart que tout le monde. Tabarnak! Mais là, Linda, si t'es pas capable de comprendre... Lui, le jeune, il va passer l'année sur le banc. Va falloir qu'il y en ait un des deux qui revienne sur la terre à un moment donné. Bonne chance, Linda. Hier, j'ai dîné avec des clients à Montréal. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois à l'hôtel. On avait plaisir que tu sois avec nous. C'est qu'en ce moment, j'ai beaucoup à faire pour me remettre à jour. Je voudrais tellement être efficace. C'est même très difficile. Frédéric, je... Non. Demain, on parlera à tête reposée. Non. Si je te parle pas maintenant, après, j'aurai plus le courage de le faire. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Michel aimerait te voir.
Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Ça, c'est pas de tes affaires. Tout ce qui se passe en dehors de la glace puis qui concerne l'équipe, c'est de mes affaires. Non, monsieur. Bon, là, écoute-moi bien, mon petit Richard. M'a donné l'heure juste. Hein? C'est vrai que t'es bon. Tu peux même avoir la Ligue nationale à tes pieds dans une couple d'années, si tu veux. Mais ça m'empêchera jamais de te descendre des mineurs si cette affaire-là continue. Si tu te lèves, ça? Écoute, Linda. On le sait que c'est ta vie privée. Mais on est mal pris, comprends-tu? Toute la ville parle juste de ça. De quoi, Ben? De quoi est-ce que toute la ville parle? De ton aventure avec Steve Richard. Tu es en conflit majeur d'intérêts. Linda, si tu écris contre le National, on croira que c'est par esprit de vengeance. Et si tu n'écris pas, on dira que c'est à cause de ta relation avec lui. Conflit majeur d'intérêts. Un journaliste puis un coach peuvent jouer au tennis ensemble. Peuvent courir les bars ensemble. Peuvent même se saouler la gueule ensemble. Peuvent même sauter des filles ensemble. Mais ça, c'est pas grave, hein? Ben non, voyons donc. Entre hommes, ces petites choses-là sont permises, hein? Et quand il s'agit d'une femme, d'une journaliste qui tombe amoureuse d'un jeune joueur de hockey, ah ben là, c'est plus pareil. Faut vite se dépêcher de cacher ça, hein? N'est-ce pas, messieurs? Je respecte les sentiments que deux êtres peuvent éprouver l'un pour l'autre. Mais nous n'avons pas le choix. Nous avons vécu le même problème dans la section politique. Et vous l'avez empêché d'écrire? Nous lui avons confié le pupitre de la section économie. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre à la Commission des droits de la personne. Même si tu gagnais ta cause, tu en aurais pour des mois avant d'avoir un jugement. Alors, en attendant, nous allons essayer d'arranger discrètement ton passage aux informations nationales. Et je t'en prie, Linda, ne fais pas de vagues. Tu es arrivé? Ben non. Louise, donne-moi nom André Bolduc à Chicoutimi. C'est urgent. Oui, j'ai vu ton message. Rendez-vous au Deauville. Ça avait l'air urgent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas à toi que je vais parler, Lucien. J'aurais aimé ça parler à ma soeur, parler à une femme. Je jouais parti au lac Saint-Jean avec les enfants pour une couple de jours. Ben, on se connaît, Linda. Tu peux me faire confiance? Il n'y a plus rien qui marche, Lucien. C'est-tu ton histoire avec Steve Richard? T'aurais dû les voir, ces trois-là. Gagnon, Trépanier, puis Ben Pellé. Et toi d'esprit.
Ils vont tout faire pour briser sa carrière. Ta carrière à toi, tu y as-tu pensé? Mais si tu savais comme je m'en fous. Je m'en fous de ma carrière. C'est pas à moi que je pense, c'est à lui. Si j'étais un homme, Lucien, tout le monde trouverait ça beau. Mais à une femme, on pardonne pas ces choses-là. Steve, s'il te plaît. Doc, c'est que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Pose pas de questions. Je te demande juste de t'en aller, c'est tout. C'est fini, Steve. Nous deux, ça marchera jamais. Il y a trop... trop de différence, trop de distance entre nous. Linda. Je t'aime. Peut-être. Mais ça change rien. Ma décision est prise. J'ai tout perdu à cause de toi, Steve. Mon travail, mes amis. Et la chose la plus importante, j'ai perdu Frédéric. Il mérite pas ça, il a trop besoin de moi. Ah bon? Parce que moi... moi, j'ai pas besoin de toi, hein? Mais non. Je pense qu'on peut se laisser comme ça, là. En se disant bonjour, bonsoir, merci. C'était bien le fun. Tu voudrais peut-être que je te serre la main aussi avant de partir? Steve, sois pas méchant. C'est déjà assez difficile comme ça. Linda, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. T'es tout ce que j'ai au monde. Arrête, Steve. Non, j'arrêterai pas. Parce que je t'aime. Pis je trouve ça con, en maudit que ce soit les autres qui décident à notre place. Linda, accepte une dernière chance. On peut pas se quitter comme ça, c'est pas vrai. Donnons-nous une dernière chance. Puis après, ben, c'est pour toi, c'est vraiment fini. Je sortirai ta vie, je te le promets. Thank you.
Girard, qui a connu un fulgurant début de saison avec le National, vient d'être retourné au sein de Chicoutimi. Le jeune homme ne s'est pas présenté à son équipe hier soir et il est suspendu depuis. Personne ne l'a vu. Pourquoi cet excellent gardien est-il suspendu? Le National aura à répondre à quelques questions. En attendant, je vous dirais que le public a le droit de savoir. Ça? Ben, publie. Je publie. Steve Richard, s'il vous plaît. Steve? Attends-moi. Mais le National pourra jamais, jamais t'échanger à cause d'une histoire d'amour. Je connais Gagnon. Deux semaines à Chicoutimi. Puis après, tu reviens à Québec. On revient à Québec.